Ça commence à être pressé là. Une colonie, il va pas me falloir 4 ans pour la faire, hein, ça c'est clair. Ça va être très rapide. Je vais récupérer un colon. Je sais pas où, ici par exemple. Et merde, ils se sont soulevés, j'espère arriver à temps. Bon, a priori oui. Yes. Et on va lancer une dernière colonie ici. S'ils se soulèvent, on fera la jonction là. D'ailleurs, même pas besoin. A priori, à partir du moment où j'ai créé la colonie... Non, je peux pas. Merde. Bon, c'est pas grave. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de révolte. 2, 4, 6, 8, 10... Oh, je suis passé à 11. Ah merde, là, 11, je suis en déficit, je pense. Voilà ce que je vais faire pour pas être en déficit. Je vais coller ça à 0. Ça suffira pas. Là, la prochaine, elle va me coûter... je saurais pas trop combien, en fait. On va tout de suite être fixé. Là, elle va me coûter cher, la prochaine. Si je finis pas une colonie vite fait... Non, il n'y en a aucune qui va se finir. Je vais juste vérifier... Ouais. Ah bordel, je suis trop loin là. Alors combien me coûte la 11e colonie? 134, sérieux. Cette ruine. Alors je vais faire ça un peu différemment. Là en fait je vais l'enlever ici et je vais le mettre sur celle qui se finit le plus tôt, enfin celle qui est le plus avancée. C'est-à-dire celle-là. Voilà, comme ça, on sera... C'est elle qui va se finir. Bon, par contre, ça prend un an, une demi-année, là. Ça, je suis pas trop... Je pensais que ce serait plus court. C'est pas normal, hein. On n'est pas très loin de la capitale, quand même. Je me demande s'il fait pas tout le tour, s'il prend pas la mer, en fait. Enfin, je sais pas comment il se débrouille. Parce que 180 jours, ça me paraît beaucoup. Bon, pas grave. Surtout que là, je suis obligé de mettre ma maintenance à fond. Donc, on va perdre 100 par jour, 100 par mois. Ça commence à être problématique. Bon, j'aurai pas le temps de refaire une guerre en 4 ans. Même si je me lance en Chine, ça va me prendre trop de temps, je crois. Je vais quand même être très très limite sur la colonisation. Ouais. Parce que je vois qu'il y a des colonies qui sont pas commencées encore. Celle-là, elle est finie. On va se trouver un colon quelque part. Donc pas ici, parce que j'ai dit que celle-là, je voulais la finir le plus vite possible. Celle-là, à la rigueur. Et on va se lancer ici. Bon, là on est prêt. J'espère que j'ai laissé des troupes chez les Chinois. Ouais, il n'y a pas de souci. J'ai même un leader de dispo. Là, si j'y gagne, hein, ça va quand même être tendu. C'est bon. Bon. Je vais prendre ma science diplomatique avec un peu d'avance pour profiter du bonus... Ah mais non, je peux vraiment pas. Ouais, je peux vraiment pas. Bon. Parce que j'aurais profité du bonus, du dernier gros bonus de colonisation. Ah bah décidément... Ils ont tous décidé de se rebeller au même moment. Ah, 20 de puissance, 20 de puissance commerciale, diplomatique, ça m'intéresse. Ah, là, ça va être chaud. Sans leader. Ouais, ça a l'air de tenir. Ouais, c'est bon. Ah, une colonie en plus. Enfin, en moins, je sais pas comment on voit ça. Et merde, il m'a encore collé, ça c'est chiant, faut vraiment qu'il corrige ça. Qu'il nous mette pas au bon endroit, mais toujours en haut de la carte, je sais pas pourquoi là.
Alors, celle-là non, celle-là non. Celle-là, c'est celle qui doit quasiment se finir là sous peu. Ok, c'est bon. Donc, on va aller là. Je vais finir les légitimisations. Là, j'ai deux conversions, c'est bon. Ah, donc c'est là qu'il va falloir que je fasse l'aller-retour. Je vais prendre le plus gros score de manœuvre que j'ai, histoire d'être là à temps. L'argent coule à flot, c'est sympa. Je n'ai pas vraiment besoin, mais... Ouais, bon. J'attends le 1er janvier pour prendre mes sciences. Celle-là, je vais pouvoir la prendre avec un malus de 5%, donc c'est raisonnable. Et merde. Oh, ça fait longtemps que les Écossais s'étaient pas révoltés. J'ai pris malheureusement. Oh là, il y a beaucoup de révoltes à venir là. Comment ça se fait, ça, sérieux? J'aurais pas accès au moins 2 de révolte là. C'est moins 2, c'est ça, je me rappelle plus. On va virer tout le monde. On va voir si on a plus de chance le mois prochain. Ok. Meilleure relation avec le temps. Super. Merci du cadeau. Et là, j'ai carrément pas de plus 3, donc on va retenter notre chance. C'est pour ça que le conseiller, le plus 1 en conseiller, c'est vraiment super intéressant en fait. Ça paye pas de mine comme bonus, mais on se rend compte que ça évite ce genre de problème quoi. Ah, par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est ça. Non, ça, je vais être sur place, c'est bon. Ça, je vais être sur place, ça c'est bon. Californie, ça va être plus chaud pour être sur place, évidemment. Et j'ai vu qu'il y avait Haïti, mais je sais plus où. Ouais, j'ai peut-être rêvé. Ça, c'est où? Shaozhou. On va se mettre directement dessus, ouais, pour ralentir. Là, par contre, c'est Emba, Ngoyo, il y en a plusieurs. Hein. Ouais, c'est bon, on est quasiment dessus. On va pouvoir remonter, peut-être. Ouais, c'est celle-là qui m'inquiétait. Je disais, je cherchais les Caraïbes, mais... Haïti, donc, du coup. Je vais ramener cette flotte-là. Par contre, faut que je me trouve une armée. Je vais jamais y arriver, oh, les colonies. Hein. Putain, il m'en reste deux à lancer. Je vais les lancer, hein, j'ai pas le choix. Elles sont où? Il y a celui-là. Non, toujours pas. Sérieux, ils sont où les colons qui sont dispo? Ah, il y en a un qui est pas dispo déjà. On va attendre que les trois soient dispo. Mais j'arrive pas à le trouver. Celui-là, ça doit être. Ouais, c'est là. Je vais la rappeler. Il a fait exprès de tomber pile poil là où je suis pas. Ceci dit, est-ce que j'ai pas oublié un truc là? Non, c'est bon. Ah, 100 de population dans une colonie, j'apprécie. Ça veut dire qu'elle est quasiment finie. Alors, comment c'est que quand je clique là? Ah merde, j'ai une colonie où il n'y a pas, où il n'y a personne. On va mettre cette armée-là. Là, je vais rappeler. Et on va aller là. Ok. Tant pis pour les déficits, hein. Il va falloir assumer les dépenses, là. C'est quoi ce délire?
Putain, il m'a détruit mon armée là. Ah putain, quelle galère. Comment il a fait pour me détruire mon armée, quoi. Carrément. J'avais pas de leader, je pense, mais enfin bon, de la détruire l'armée, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir avec 60 000 hommes. Et merde, ils me ressentent. Non mais c'est quoi ce putain de bug? J'en ai marre. Ce bug, il est affreux. Quand on clique sur une province, il nous balance n'importe où, toujours en haut, là, je sais pas pourquoi. Ok, c'est parti. On va aller ici. Quand c'est que tout d'un coup j'ai autant de révoltes que ça? C'est le plus 2 de révolte là qui me pénalise. C'est quand même dingue ça. Donc là déjà on va se faire cela. Alors pour les colonies. 2, 4, 6, 8, 9. Plus une en route. Ok. Ça fera 10 et on va en faire 11, hein. Pas le choix. Je sais pas où je vais finir par prendre mes colons, ici. Et on va la faire là. Et je crois qu'on aura lancé tout le monde. Donc après, il restera plus qu'à attendre, à espérer. Bon, ceci dit, il y en a quand même pas mal qui se finissent. Là, je dois avoir une armée, mais pour l'instant, elle est un peu occupée. On va la ramener, c'est bon. Ah, mais il me reste 2 ans pour finir. Putain, je vais échouer. Je suis sûr que c'est mort, là. Il me reste 2 ans pour finir. Il faut absolument que je prenne mon bonus. Ah, je peux pas, sérieux. Bon, en tout cas, je peux prendre cela. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai celui-là, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc on va supprimer celui, peu importe, celui-là. Et on va prendre à la place ça. C'est assez énorme le 5% de chance de colonisation en plus. On va dépasser les 40, je pense. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que tout, à chaque fois que le colon arrive, ils réussissent à coloniser, à ramener, je crois que c'est plus 100 à chaque fois, de mémoire. Donc c'est assez énorme le bonus de 5%, je trouve. Ok, là je vais tenter ma chance. Je vais mettre mon navire en mer au cas où. Non, c'est bon, ils avaient... En fait, ils avaient aucune chance, ils n'étaient pas assez forts. Alors, qui reste-t-il? Ngoyo, je pense qu'on est... on est en route, si mes souvenirs sont bons. Alors, je sais pas où sont mes navires dans ce bazar. D'accord, on est en route. Une colonie en plus de fini. Donc là, j'ai tout lancé. Ah non, si, celle-là, ils sont en route. Pardon, j'ai tout lancé, hein, je crois. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé. Et là, on est doucement, mais sûrement en route. Il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est le haut fait. On est à 667, je sais pas pourquoi. Il nous manquerait plus que 2 provinces. C'est quand même relativement étrange. Ok, une de plus. Ça se précise. Honnêtement, j'en vois pas. Hein. J'en vois pas de manquante. Le blanc, j'aurais pas dû prendre blanc en fait. J'aurais dû prendre une couleur qui ressort plus, mais. Donc ça, je peux supprimer. Là, tout est fait. J'ai fait cette île pour être sûr. Je suis sûr qu'il me manque une petite île quelque part, un truc, un point minuscule. J'en suis persuadé, mais je vois pas où.
Sainte-Hélène encore. Ok, donc on va d'abord régler ça, cette fois sans bavure. Là où on a réglé ça. Ok. Ah putain, même à 0%, je peux pas. En octobre 20, ouais, c'est mort. J'y arriverai plus là. Je pense que je n'y arriverai plus. Portée coloniale, ça sert à rien. Ah, peut-être que. Non, ça sert à rien, je crois pas. D'accord, donc là, on va reprendre nos territoires. Ah bah si j'échoue, ce sera de pas loin. C'est dommage, il va falloir que je me refasse une vidéo, mais ou alors un let's play, mais sans le filmer, juste pour moi. Et je vous montrerai le résultat. Alors on va aller là. Alors ça c'est quoi ça? Oui, ça normalement, j'ai ce qu'il faut. Ah, 100 de population, c'est le bienvenu. C'est où ça? C'est là, d'accord. Est-ce que je pourrais pas prendre un peu de puissance diplomatique? Non, c'est de l'administratif et eux, c'est qui? Diplomatique, 50. Pourquoi je peux pas? L'influence des bourgeois est d'au moins 25. Ah, ils ont pas assez d'influence. Saleté. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mal de points administratifs. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Développer des provinces néerlandaises. Je sais déjà que j'arriverai pas à les intégrer. Ceci dit, j'ai fait une erreur tout à l'heure en dépensant tous ces points diplomatiques. Je la paye un peu maintenant, j'avoue. Ok, une colonie de plus. Alors, à combien on est là? Il va m'en manquer une, je sais pas où elle est. Une province d'Amérique du Sud, il me manque. Je suis sûr que c'est une île, quelque part. Ou alors c'est ça? Oh, ça peut pas être ça. Hein. C'est celle-là, je parie. Je suis sûr que c'est ça. Île de l'Atlantique Sud, sous-continent Amérique du Sud. Ah, les bandes de chiens, ils m'ont eu. Excusez-moi. Eh ben voilà, comment échouer pour une île. J'en étais sûr qu'il resterait quelque part une petite île, quelque part perdue là-haut. Bon ben c'est mort. En fait, il s'agissait même pas de finir les colonisations. À partir du moment où la colonisation est commencée, a priori, ça suffit. Ah, maintenant, évidemment, je peux pas forcer les Pays-Bas à me donner une province. Ce serait trop beau. Alors, je peux... comment on peut faire déjà? Enfin, maintenant, c'est trop tard, de toute façon, mais... Ah, je suis vert. 90 épisodes. Non, peut-être pas 90. 60 épisodes, peut-être, de gâchés à cause d'une petite île au milieu de nulle part. Et je n'aurais pas ce haut fait juste pour ça. Ah là 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 là. Donc ça, je peux prendre ça. Mais de toute façon, maintenant, c'est fini, je le sais. Et il m'aura manqué une guerre que j'aurais pu faire depuis très longtemps, puisque honnêtement, j'avais pas de soucis, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai autant de révoltes tout d'un coup. Alors que j'en avais quasiment plus... J'avais réussi à faire retomber... Ah, là, c'est là. Refus d'importation des denrées, ça c'est le plus 2, ouais, qui m'a coûté cher. C'est la stabilité aussi qui est pas géniale. J'ai perdu un petit peu sur la stabilité.
Parce que j'étais à plus 3, donc j'ai perdu moins 2 sur la stabilité. Ouais, c'est pour ça que ça se multiplie un peu dans tous les sens, j'avoue. Ah, mais là, vraiment, je suis vraiment déçu, en fait. Je suis extrêmement déçu. Bon, je considère quand même que c'est un bon let's play pour moi, en tout cas. J'ai bien grossi, je pensais pas forcément arriver jusque-là en début de partie. Mais il n'en reste pas moins que c'est un échec pour le haut fait. Mais ça, je le savais, hein, qu'il y avait quelque part une île qui traînerait. Pour ça, le jeu est pas forcément, n'aide pas très bien. Il faudrait pouvoir aller là et qu'ils nous disent directement en cliquant dessus que ça apparaisse en surbrillance tous les territoires qu'on doit conquérir. Là, il dit juste qu'il faut prendre tous les territoires de l'Amérique du Sud, c'est gentil, mais c'est un peu trop limité comme explication. Alors, j'ai perdu quand même pas mal de colonies. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à zéro pour voir combien j'ai de revenus. J'ai quand même arrivé. Voilà, c'est fini. Bon, mais grosse déception. J'avoue que c'était gagné, sauf qu'il me manquait une île. Je m'excuse pour cet échec lamentable, je dois dire. J'espère quand même que vous avez apprécié. J'ai quand même pour moi réalisé mon objectif à 99,99%. 734 provinces. C'est pas mal, hein. Je me demande si je vais pas me diriger un de ces quatre vers le succès qui consiste à faire 1000 provinces, à conquérir 1000 provinces. Je crois qu'il est classé dans les très difficiles ou dans les difficiles, je sais plus, mais en tout cas. Il sera peut-être temps un jour de s'occuper de ce haut fait ou de ce succès. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ok, bon, bah, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain, je pense, pour me suivre sur un nouveau Let's Play European Versailles 4. Et bien, je m'excuse encore une fois de ce lamentable échec. J'avoue que c'est une petite déception. Je vais peut-être me retenter un Let's Play hors vidéo et puis vous montrer le haut fait. Mais bon, il faut pour ça quand même que j'ai le temps. Je vais peut-être regarder un peu ça, mais j'avoue que je suis tellement déçu là que ça me dégoûte un peu. Mais en tout cas, c'est une jolie progression. On a recouvert toute cette zone de gris au blanc. Et je remercie celui d'ailleurs qui m'a suggéré de faire un let's play sur une nation personnalisée en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud avec ce succès. Oh là, là j'ai pris toute cette zone. Ok, je vais m'arrêter là parce que je suis dégoûté et que l'épisode est trop long. Allez, je vous laisse. À demain pour un nouveau let's play, je pense.